Salut tout le monde, ici William GCM et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play de Chaos Legion. Alors, suite à un léger problème avec le logiciel de capture, j'ai malheureusement été obligé de redémarrer plus ou moins ma partie en fait. Donc j'ai refait les deux premiers niveaux que j'avais déjà fait dans les deux épisodes précédents. Et maintenant on va s'attaquer au niveau 3. En gros, au moment où j'ai commencé à enregistrer, je voyais que le logiciel de capture donc était en mode enregistrement et j'ai attendu 2 secondes avant de commencer à commenter, à parler. Le problème, c'est que au moment où j'ai fait ça, et ben en fait le logiciel de capture n'était pas réellement en train d'enregistrer. C'est-à-dire qu'il y a le début de la vidéo qui était coupé et malheureusement j'ai dit des informations relativement importantes dans cette partie-là. Alors bon, on va s'attaquer à ça tout de suite. Hein. Niveau suivant. Niveau 3, Typhon, la ville crépusculaire, centre. Ça commence assez bien. Alors, je tiens à dire tout de suite, ce niveau est un peu plus long que le précédent, ce qui est logique. Mais par contre, il est plus dur. Le niveau est plus dur. Moi, c'est plus facile. Là, cette phase, elle est très facile. Soyons honnêtes, cette phase est vraiment très facile. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire parce que le SIC n'est pas encore assez puissant pour. Allez! Donc voilà, j'utilise Maléfique ici parce que la plupart des ennemis sont métalliques. Enfin, il y a des ennemis métalliques et des ennemis organiques, donc le problème c'est qu'il faudrait que je. Change vraiment les légions régulièrement. Il reste plus que des ennemis organiques. On va utiliser au maximum de qualité. J'ai un petit spé, ça c'est pour apprendre. Dépuration de vie, ça aussi.
Ah, il y a encore un ennemi là-bas. Il s'est perdu. Et voilà. Ok, là, on va s'amuser. Spawner d'ennemis sur la map, mais normalement il est possible d'épuiser vraiment le spawner et de faire en sorte qu'il ne spawn pas un ennemi. Mais je sais pas si celui-là on peut l'épuiser ou pas. Le plaisir d'attaquer ma légion. Honnêtement, ma légion fait pas énormément de dégâts. Hein.
demande si j'ai un truc, si je réussis à épuiser tous les ennemis avant de détruire le spawner, c'est un objet spécial. Ça prend du temps. Donc là, le spawner visiblement ne peut plus faire spawn d'ennemis. Ah, celui-là est très organique, ça s'entend tout de suite. Et une augmentation de vie max, ça c'est toujours bon à prendre. Fragment de Thanatos. Voilà, la caméra elle se focalise dessus. Et celui-là il est un peu plus sous-côté que les autres. Bah que celui du niveau d'avant. Mais bon, c'est pas gênant. Visiblement ce genre d'ennemi où il y en a plein mais de tripoter comme ça. Heureusement ils sont pas difficiles à battre. C'est vraiment un combo d'épée et on en prend. Débarrasser de ce canon là
franchement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de tuer ça. Heureusement, c'est la dernière zone et c'est le dernier gros ennemi qu'il va y avoir. Après, ça va être le boss. Bon, les ennemis sont à peu près stupides. Leur succès dépend beaucoup, franchement, de la maladresse du joueur, en fait. C'est surtout ça qui fait que les ennemis peuvent la maladresse ou l'inattention du joueur. C'est vraiment des facteurs. Ouais, voilà, là déjà il y en a plus qui spawnent, c'est une bonne chose. Ouais, vraiment là sur la fin, on va se débarrasser franchement de ces ennemis-là qui sont très très chiants. Là voilà, il y en a déjà plus qui spawnent, et je crois qu'il y en a plus aussi, il y en a encore un là qui spawnait. Je sens que je vais pas avoir une bonne note à la fin de ce stage, je pense que je vais être largement au-dessus du temps. Allez, battu. Et ça nous redonne un peu de vie. Donc c'est toujours ça de. Toujours ça de gagner. Oh! Avec tout ce que j'ai regagné, j'ai reperdu en fait. Ah bah tiens, je suis déjà à la limite. C'est vrai que là le point faible c'est la tête. Le fragment de Thanatos. Donc là les ennemis ils ont... ils peuvent plus spawner. Et donc c'est parti. Par contre là ça va être très bon. Thank you.
Oh, le compteur, je sais pas s'il fait grand chose. Oh, y'a des ennemis qui spawn quand même. Ce que j'ai dit. Je pense. Je savais pas que la porte des spawners allait déclencher le spawn. Je suis en train de spammer carré et tout. Pour leur donner l'ordre d'attaque tout en continuant d'attaquer. Ah là franchement ils sont très sourds. Moi-même surpris franchement de cette solidité de l'extrême. Mais bon. Allez, on va affronter le boss. Attention, attention. Ah là ! De risque, je vais pas faire comme dans le deuxième épisode, je vais utiliser une récupération de vie. J'ai pas vu venir ça. C'est la première phase qui finit. Mais évidemment, ce n'est jamais fini. Le boss n'est toujours en vie. Mais... Bon voilà, il a ajouté une nouvelle attaque à son arsenal. Je vois ça.
je vais quand même utiliser une autre récupération de vie. Ça s'est plus mal passé que prévu là. Là, nous allons récupérer notre deuxième symbole, troisième symbole, pardon. Blasphème, les bombes. C'est une légion qu'il ne faut pas utiliser en mode légion, il faut l'utiliser qu'en mode assist. They were my precious family. Thanks for saving me. I'm Arcia. I'm one of the Maidens of the Silver. Recently, the intelligence of the Order had traced the whereabouts of Lord Delacroix. I was ordered to act as a scout and pursue him, so I separated from the head unit and came here to gather information. But how could this have happened? It looks like he's headed for the ruins of Murdoa. Do you know him? You shouldn't concern yourself with that. Bon, ça reste un résultat correct. Ouais, juste ça par le temps, franchement, là, c'est... Avec des légions plus puissantes, ce niveau va quand même beaucoup plus vite. Par exemple, justement, sur ma sauvegarde principale, c'est un niveau qui ne m'arrive de farmer pour de l'XP. La raison pour laquelle je voudrais passer sur ma sauvegarde principale une fois que j'aurai atteint son niveau, ça sera parce que mes légions sont beaucoup plus puissantes sur cette sauvegarde là. Donc évidemment, afin que le jeu soit peut-être plus intéressant, qu'il y ait peut-être plus grande variété dans le gameplay, je passerai donc sur cette sauvegarde là pour continuer le let's play. Je farmerai de temps en temps peut-être entre les épisodes, histoire de bien pixer mes légions. Et bon, on verra. Récupération d'âme, elle. Ouais, bof, c'est pas spécialement utile. Symbole bombe. Oui, donc blasphème. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une légion qu'il faudra utiliser en mode assist plutôt qu'en mode légion. Parce qu'en fait, le mode légion, c'est exactement c'est quasiment la même chose que le mode assist avec moins de contrôle. Donc, c'est vraiment... Ça sert vraiment à rien de l'utiliser en mode légion. Oui, c'est une bonne légion parce qu'elle peut servir. Désolé, je suis un peu fatigué. C'est une légion qui sert entre autres à ouvrir certaines portes secrètes dans certains niveaux. Là, pour le moment, je sais pas s'il y en a beaucoup des portes secrètes qui s'ouvrent avec Blasphème. Pour un fragment de Thanatos, il me faudra Imperfection et une autre légion, j'ai oublié le nom. Imperfection pour le double saut et N pour ouvrir la porte. En Blasphème et N, ce sont les deux seules légions qui sont utiles pour ouvrir des portes
Elles sont pas vraiment secrètes, les portes, en fait, elles sont sur le chemin. Mais il faut la bonne légion équipée pour les ouvrir. Bon, allez, on va pexer les légions. Déjà, je vais commencer par culpabilité, force niveau 2. Avoir 4 légionnaires, c'est toujours utile. Et je vais en plus augmenter l'attaque et la défense. Maléfique, qu'est-ce qu'on peut faire avec j'ai déjà un petit XP que je peux dépenser. J'aurais deux petites. Maléfique va être très utile dans le prochain niveau que je ferai donc la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. J'enregistrerai l'épisode avant, mais je l'uploaderai que la semaine prochaine. Alors, je vais regarder maintenant ce que je peux. Ah non, c'était 400 000, c'est vrai. Je vais attendre. Je vais attendre un peu, j'attends le prochain niveau pour améliorer la force, encore une fois. Ouais, bah ça monte un petit peu. Ouais, aussi dans le quand j'ai donc j'ai dû refaire le niveau 2 comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Et j'ai réussi, je sais pas si vous vous souvenez, l'ennemi qui ressemble un peu à un chien, qui était en haut de la grande rampe avec tous les ennemis qui ressemblent à des araignées. Et ben j'ai réussi à l'avoir et j'ai eu l'augmentation de vie à la fin. Et ça va un petit peu aider. Bon allez, je vais sauvegarder sur un autre fichier cette fois-ci pour éviter tout problème. Voilà. Alors, autre chose. Je tiens à dire que je vais faire des vidéos. Au moins une sur un autre jeu, un jeu PC cette fois-ci, on va retourner sur PC, d'un jeu indépendant qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ça n'interférera pas avec le let's play de Chaos Engine, ce sera des vidéos indépendantes, ce sera pas un let's play, ce sera juste une vidéo, ce sera une vidéo découverte, pour une simple vidéo découverte, voilà, rien de plus, rien de moins. Et ce sera aussi ma première vidéo commentée en anglais. Le Let's Play de Chaos Engine restera commenté en français. Je veux juste, voilà, essayer des nouvelles choses. Puis surtout, j'ai un nouveau PC, donc je vais pouvoir enregistrer des jeux qui demandent plus de ressources. Et bon. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Désolé si cette vidéo sort un peu plus tard. Cette vidéo-ci sort un peu plus tard que prévu. Parce que je m'y suis pris vraiment tard pour faire la vidéo. Puis j'ai eu le problème, donc j'ai recommencé le jeu depuis le début. Et maintenant on en est là. Donc je vais essayer donc d'uploader cette vidéo le plus tôt possible afin qu'elle soit disponible. Le plus tôt possible, que je puisse me concentrer sur le reste de le prochain épisode. Et la vidéo sur le jeu que j'ai mentionné. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les suivantes vous plairont. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like dessus. Si vous voulez vous abonner pour ne pas louper mes futures vidéos, vous pouvez.
et à la prochaine, et portez-vous bien.